Les rivières qui séparent les différents quartiers de la ville de Pointe-Noire font l'objet d'une étude relative à un projet d'aménagement pour une gestion de drainage des eaux pluviales. Les rivières Tinuka, Tikobo, Songolo, Laloya, qui serpentent les arrondissements Tchétché, Lumumba, Mvumvu, seront dans les prochains jours dotées d'un plan de canalisation, de dragage, d'endiguement, de rectification, de recalibrage, etc. Ce travail confié au cabinet atérial permettra de mieux protéger les populations des inondations, de créer sûrement aussi des bases de loisirs dans la ville. Et comme pour tout aménagement, ces études permettent aussi d'éviter les impacts négatifs sur l'écosystème et surtout de mieux évaluer le dédommagement des populations riveraines installées légalement le long des espaces qui seront soumis à l'aménagement.